Salut à tous et à toutes, c'est Val des Fins. Nous, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans les Sims 3. Et bien donc, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les Sims 3. Attendez, je vais peut-être dézoomer un peu ma gueule. Et je tête. Et vous têtez? Non, je teste un nouvel éclairage, donc dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, j'ai absolument pas regardé les top commentaires de l'épisode de juste avant. Oups, on va aller voir ça tout de suite. Alors, c'est est-ce que Lucky pourrait se marier avec sa copine? Mais il vient de se mettre en couple, c'est comment délire à voir? Tu jures que tout le monde se met en couple, tu comprends pas? Non. Pourquoi vous êtes tout le temps, enfin, je veux dire, vous comportez pas comme ça en vrai, vous allez faire peur aux gens, hein. C'est un danger pour vous-même et pour la société, hein. Vous vous rendez pas compte, mais. Bah non, mais je veux dire, en vrai, vous imaginez, c'est comme si moi j'étais avec Maliko. Enfin, je suis avec Maliko techniquement, mais imaginez que je sois à côté d'elle, là tout de suite. Puis je fasse. On se marie, on fait des enfants et puis on meurt. Je crois pas qu'elle serait très contente, hein. Ou qu'elle trouverait ça très normal. Enfin, venant de moi, elle trouverait ça normal techniquement parlant, mais. Whatever. Alors. Alors, jouons un peu. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le face-à-face avec Brad Stephen qui est paru juste avant, je vais faire un épisode de 10 minutes, pas beaucoup plus, normalement. 20 minutes maximum, parce que je me connais, j'aime bien jouer aux Sims. Mais ça ira pas au-delà, parce que bah, parce que c'est les vacances, alors moi aussi j'ai envie de profiter un peu. Enfin, même si je fais absolument rien de mes vacances, techniquement. J'étais genre un peu malade, ouais. Et donc je teste un tout nouvel éclairage où ça me fait les yeux un peu plus bleus. Genre Bleu tasson. Hey. bon, je vais peut-être passer un peu la nuit parce que bon, là, je profite de la nuit pour vous parler, mais bon, elle est peut-être un peu trop longue. Et cet éclairage-là aussi, je sais pas si je peux l'enlever ou si ça va faire bizarre si j'enlève, attendez. Sinon, c'est comme ça. Mais je suis un peu à contre-jour parce que bon, autant il y a la fenêtre en face. Là, moi, il y a une fenêtre, si vous voulez. Mais là, il y a l'ampoule qui est tout le temps allumée, ouais. Et là, il y a ma peluche, mais ça peut un peu. Les kits, tu dors la lumière allumée. Ouais, mais j'ai peur du noir! Putain! Bah, ça va, c'était pas méchant. Et on est en hiver, ça veut dire qu'on va bientôt faire Noël. Tu vas pouvoir être là. Chante, c'est Noël, excusez-moi pour ça, je suis à fond dans les chants de Noël. J'aurais pu faire Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. On aurait dit un chant. Excusez-moi, je me fais vraiment chier la nuit en fait. Donc je chante pour combler, mais. Oh, y'a Dan. Merde, c'est quoi j'ai oublié de nourrir Dan? Ah, je souffle même de ce travail. Je pue. Mais arrête de m'espionner, sérieux, je suis dans ma chambre. Ah, c'est quoi? J'espère vraiment que c'était de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, parce que j'ai pris une douche et puis j'en ai mis partout. La 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 la. Vous savez le gars qui va pas du tout réveiller toute la maison dans celui-là. Blatou, il aurait pu nous chanter du Pocahontas, au moins j'aime bien Pocahontas, genre entends-tu le chien d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs des chats sauvages au petit jour. Non, même pareil, nous chantons une musique pourrie que personne connaît. Elle est jolie cette maison-là, j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'extérieur. Excusez-moi. Cette musique. C'est Noël chez eux.
J'aimerais dire un gros psychopathe, genre pédophile, mais. Voilà, mon micro. Mon micro fait des mouvements chelous. Oh, je me suis réveillé. Bon, je nourris mes animaux. Putain, Dan, il a déjà presque tout mangé. Genre, tiens, Dan, dans le. Bah voilà. Ah oui, je n'ai pas les dents jaunes. J'ai une lampe jaune, ok? Regardez. Dents jaunes. Dents pas jaunes. Les dents sont pas jaunes du tout, c'est l'éclairage qui fait ça, ok? Bon, comme vous pouvez le voir, je suis plus en forme que la dernière fois que j'ai tourné. Hein. Bon, alors. Pipi. Putain, mais c'est qui a fait ça, là? Sérieux. C'est qui a mis des canettes et des paquets de chips dans les toilettes par terre? La la la. Faire la maintenance. Pipi. Bon, après, j'irai faire la maintenance parce que personne n'y pense et puis. Tu peux pas la faire, Chauffleurman, tu fais jamais rien. Ouais, mais je sais pas si j'ai assez de compétences. J'ai assez, c'est bon, je fais. Ouais, parce que je voulais pas la faire, j'avais la flemme. Oh, j'ai salé les toilettes. Bon, tant pis, je vais nettoyer. Mais je vais faire la maintenance de l'alarme. On bosse aujourd'hui en plus. Ouah, oui. C'est demain qu'on bosse. J'avais pas envie de bosser aujourd'hui. Salut la queue. Salut. Alter. Ok. Mais bon, ça va. Hein. Le meilleur du concours. Je vais pas le faire. Money hard. Il est où, Chauffleurman? Ça va, t'as bientôt fini, Chauffleurman? Ouais, ouais, je m'en sors, je m'en sors. Et puis après, je ferai l'amélioration. Ouais, j'ai appris les bases de la compétence cuisine, ouais! Ah, il y a du vomi! C'est dégueulasse! Puis j'en trouve partout. Bah, je vous l'avais dit que mon chat était handicapé l'intestin grêle, hein. Aussi. Ah! Mes oreilles, bah putain! Attendez, on peut répondre à l'urgence à 3. Je vais faire ça, répondre à l'urgence. Répondre à l'urgence à VAC. Chauffleurman, il y a quelqu'un. Ah, il n'y a pas d'urgence? Ok. C'est bizarre, j'ai cru que ça avait sonné pourtant. Oh non, 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 c'est toi qui les as préparés? Ouais, ouais, c'est du gaufre. C'est du gaufre. Mmh, j'adore le gaufre. Wow, Simba a attrapé un boa émeraude. Ouais, j'ai attrapé un boa émeraude et même qu'il est comme ça. J'adore les serpents, en vrai. En vrai, j'adore vraiment les serpents, je trouve ça trop génial. Et j'aimerais trop en avoir un en vrai. Enfin, mais pas le nourrir. Parce que j'aime beaucoup les souris aussi, alors... Il y a beaucoup d'animaux que j'aime bien. Bon, ça, personne s'en sert, c'est bien. Vous savez, le moment sérieux, il va pas du tout flipper si je le mets à côté d'un serpent. Soyons cruels, faisons ça. Excusez-moi. Moi malade? Non. Vous devez rêver. Ouais, je sais, j'ai mis une plante horrible. Et alors? Je vais voir comment il est. Et il est tout droit, mon... Ah, d'accord. Mon serpent est bande. Je vais le nourrir. Et puis je vais lui donner un nom. Phil. T'as encore une référence à Maliko, vous inquiétez pas. Nourrisation. Putain, mais dégage quoi, mon. C'est vraiment un connasse. Mais. Putain, là là, c'est bon, je m'en vais. Ah, voilà. Wow, ça, un petit écureuil. Manque.
Je vais finir la maintenance de la lama fendue. Par contre, cette maison elle est encore trop petite, hein, je trouve. Pas mes mots, t'as pissé par terre sur la terrasse. Aïe. Putain, à chaque fois mes oreilles, quoi. On va répondre à l'urgence. On y va. Let's go. Bleh. Pardon. Putain, mes oreilles. Oh mon dieu! L'ambiance n'est plus du tout la même arrivée sur les lieux du crime! Sophia Martagal a des problèmes! Ainsi que Zach! Non, c'est pas Zach! C'est Balzé! Papa, qu'est-ce que tu fous là? Et je me renifle les dessous de bras et j'adore ça. Ok! Qu'est-ce qu'ils font Merde, non, j'ai mis rentrer à la maison, mais non. Je le convainc de fuir. Ah bah moi, je vais y rentrer dans la maison. Merde, ces incendies de fenêtres doivent être éteints. Oh, fais chier. Fais chier. Oui, madame. Laissez-moi faire celle du haut. Ah 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 ah. Je n'ai aucune idée de pourquoi je n'ai pas simplement ouvert la porte comme quelqu'un de normal. Vite, papa de chou-fleur, de monstre, courez. Ouais, on a eu une canette, on a eu... Ah, cool. Bon, vous pouvez rentrer à la maison, moi je vais aller chez ma copine. Oh merde, ça fait... Ah bah non, ça fait déjà 13 minutes qu'on tourne. Bon, bah je vais vous laisser là. Putain, c'est passé super vite. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné, je crois. Maintenant, ça me passe genre... Bon. Bah, je vais déjà vous laisser là. Et je vous retrouve dans l'épisode prochain. Alors, désolé si j'étais un peu taré dans cet épisode, mais j'avais envie de m'amuser. Hein, et voilà. Et donc, bye bye!